plusieurs personnes. On va faire une petite visite de l'intérieur de l'escapade. Alors. Dans la descente, on trouve la partie cuisine. En arrière de la partie cuisine, on trouve le carré en U. Et tout à l'arrière, un couchage double avec une vue sur la mer. Sous le couchage, on a accès au secteur de bar et au pilote automatique. Lorsqu'on revient dans la descente, on trouve la vue dégagée par l'intermédiaire des grands hublots de roof. Sur tribord, le coin navigation. Et à nouveau la vue sur le carré et le couchage arrière, vue du côté tribord. Lorsqu'on est assis dans le carré, on a une vision extérieure par l'intermédiaire des hublots de coque. Quand on relève la table du carré, on a accès à la partie moteur. Alors, plus en détail sur le coin navigation, donc on a le panneau de commande des différents équipements du bord, un gestionnaire d'énergie qui permet de contrôler l'état du parc, batterie. La VHF, la partie Wi-Fi, une prise de 120 volts par l'intermédiaire d'un convertisseur branché sur les batteries, le gestionnaire de l'hydrogénérateur, et sur la partie verticale devant la table à cartes, on a un combiné GPS. Derrière de la table à cartes, on trouve la cuve à eau noire et l'accès à la jauge carburant. Côté bâbord, lorsqu'on va sur l'avant, on trouve une cabine double. Dans la penderie a été installé le désalinisateur du bord. Cette cabine se transforme également en couchette simple qui
permet d'avoir une coursive qui donne accès à la soute technique à la main. L'accès à cette soute technique se fait également par le hublot de pont. Particularité du bateau, le mouillage se trouve dans la partie basse en arrière de ce local technique. Ce qui permet de centrer les poids. Donc à nouveau au niveau de la descente, dans la partie centrale, on trouve le cabinet de toilette avec le WC, un lavabo et une douche. Sous laquelle on trouve un grand rangement ainsi que le panneau de chauffage.